Eh ben salut tout le monde, c'est GameDaze, je suis Pios8 et je suis en compagnie de Sokin. Salut Sokin. Salut Pios. Ça va, très bien. Ouais, ouais, très bien. Ouais, moi aussi, super. Moi, t'as fait le premier clip déjà, ça s'annonce très bien. Bon alors, on va vous présenter c'est quoi ça. Si vous avez pas vu notre précédente vidéo, c'est un concept qui s'appelle MOAM, qui veut dire Mob on All Maps. Et c'est le premier épisode, celui-ci. Alors, Sokin va vous expliquer qu'est-ce que c'est MOAM, Mob on All Maps. Ça veut dire, en fait, faire des mobs, donc n'importe quelle arme. Bon, moi, j'ai essayé de faire, tester toutes les armes, hein, ce serait mieux. Mais faire des mobs dans toutes les cartes. Donc, ça veut dire, genre Dom, Arcaden, Mission, toutes des maps comme ça. On va pas toutes les citer. Et même, on va pas vous spoiler, mais il y en aura peut-être dans les nouvelles maps. Voilà, peut-être. Ouais, peut-être. Et aussi, c'est bien, là on est en EC, mais parfois ça va être en Domine. Ouais, voilà. Ah. Mais la plupart de nos tentatives MOAM seront en EC. Ouais. Alors, c'est marrant, c'est que ce jeu de mots MOAM qui ressemble fortement à MOAB. C'est vraiment, j'ai pas fait esprit en créant ce nom. Ouais. Mais en fait, ouais, vas-y, parle. Bah, en fait, c'est pour vous dire aussi, mais là, en fait, nous avons. Moi, j'ai fait plusieurs mobs là. Et celle-là, c'est pas l'une de mes premières, c'est juste parce que. Comme j'ai pas encore mon HDP vert, comme vous le voyez, ben je dois les enregistrer avec mon Mo Studio, donc au boulot spécialiste, moi bon, j'ai un peu chaud là. Ouais, c'est vraiment chaud, un beau joli commando pour bien te sauver la mise. Ou alors on dit HDP vert pour bien se vanter, hein, mais en fait on n'aura pas un HDP vert. Bon, en tout cas, moi j'aurai un AVRMedia Game Capture HD. Le principal c'est que ça filme en HD comme l'HDP vert. Ouais. Alors on va vous proposer des gameplays en HD, ça va être peut-être mieux pour vos petits yeux là qui, avec les bandes noires, sont pas vraiment très. À l'aise, on peut dire ça comme ça. Comme j'avais dit, c'est moi qui avais créé le nom, mais c'est Sokin qui a créé le concept de faire des mobs dans toutes les maps. Alors, ouais. C'est 50-50, ça revient à nous deux, quoi. Donc là, faut dire aussi que dans cette partie-là, je vais expliquer avec quoi jouer. Je joue avec l'MP7 silencieux. J'avais pas mis tir rapide, je crois que j'avais mis charge à grande cap. Je suis pas sûr. Hein. Après, je joue en spécialiste. Et la deuxième arme, c'était MP9. Donc MP9 qui pour moi pourrait être une arme principale. Super. Ah ouais, c'est une arme super. Non, je rigole. C'est une arme, ouais, c'est une belle arme. Oh putain, vous verrez pourquoi je vous dis, pourrait être une arme principale, vous verrez dans les prochains de mes gameplays. Eh, mais t'as pas vu le mec là qui passait devant toi? Il avait rien vu. Eh mec, achète des lunettes au lieu de jouer à Call of. Enfin, c'est un petit message de part de moi. Faut dire aussi, là j'étais en train de jouer avec toi, donc tu me disais bien où ils étaient. Ouais, j'ai bien vu qu'il y avait un mongol qui te voyait pas, alors j'ai dit c'est bon, tu peux bien te faire rager avec un beau petit coup de cut. Ben, je crois. Donc alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Ah ouais, là vous me voyez Sokin et Orlin et tout le bazar là. Il voulait bien me faire chier parce que, bah voilà, moi j'étais en train d'enregistrer avec mon studio et il voulait bien me faire chier parce qu'il aime bien me faire chier, espèce de sadique. Ouais. Donc alors, faut parler de... Quoi? Qu'est-ce qu'on peut parler? Bah ouais, on vous a présenté le concept de MOAM. Ça va constituer de quand même pas mal d'épisodes. Hein. Vous comptez les maps de base et c'est minimum. C'est quoi 16 maps? Bah minimum 16 épisodes. Ouais. Et ne vous inquiétez pas. Mais bon. Ouais, dans nos anciennes séries, et ben nous avons pas beaucoup tenu beaucoup d'épisodes, mais là ne vous inquiétez pas, on le promet qu'on va. On va mettre plus de vidéos grâce, surtout là c'est bientôt la fin de l'année donc. Ouais, on ouais. Plus d'épreuves, ouais, c'est ça, plus d'épreuves, on pourra plus se sacrifier sur Game Day, ça va être plaisant pour vous un peu. Ouais. Donc aussi, on l'a dit dans la dernière vidéo, faire des parties en live, vous inquiétez pas, proposez même des défis, si ça vous intéresse, nous on peut bien les faire, ça nous dérange pas, ça nous fait même presque plaisir
faire vos défis. Ouais, exactement. Et alors, on vous a dit il y a trois vidéos, moi, qu'on allons vous faire le premier épisode de la série Redécouverte. Mais en fait, ça prend un certain temps de faire le montage et faire les parties, des bonnes parties avec des armes, avec toutes les armes. Alors, on va un peu le mettre sur côté parce que il y aura peut-être la cadence des vidéos, on peut dire ça comme ça, qui va être ralentie à cause de cette série. Alors on a déjà fait le premier épisode, mais on va le mettre sur le côté pour vous présenter plus d'épisodes et de vidéos. Donc nous avons parlé je voulais dire que c'était t'avais du mérite parce que c'est toi, faut dire que c'est toi qui est l'éditeur de Game Days et qui avec le montage va nous faire un super montage aussi avec des regroupements de clips réalisés par Sokin. Alors lui aussi elle mérite, hein. Il est un peu modeste, hein, n'est-ce pas? Il faut pas oublier aussi Ryubug. Qui fait des belles séries aussi. Avec son postinger là qui enchaîne les hélicos et tout. Ouais non mais on veut mieux parler du Barrett qui le maîtrise assez bien je trouve. Moi aussi. Et j'ai fait un double flash cop au enchaînement sur Tom que j'ai saoulé depuis je sais pas combien de temps. Donc voilà. Donc là on va parler un peu plus du gameplay mais c'est déjà la fin. Donc là comme vous pouvez voir j'étais en stress, on peut dire ça, parce que si vous voyez le score, c'est un truc de malade. 64 ! Et vous savez que là aussi, c'est fini à 65. Ça finit à 65. Donc là, je me suis dit, je suis à combien ? Il s'est tiré dans la tête, il aura jamais fait. Oh, je crois que c'est la botte, c'est le banc. Et là, il a paniqué comme un gros porc. Là, j'ai pas repris la médaille. Là, je me suis dit, c'est bon, je vais être à 4 roues. Eh ben non, Moab ! Ouais, t'étais super contente, mais un gros rageux qui a pris ta médaille et elle a pas explosé. Putain. Mais bon, c'est quand même mission accomplie. Ouais, mission accomplie. Désolé pour le petit message avec le mec qui ramassait cette médaille. Et oui, comme t'as dit, c'était une belle mission accomplie dans Seaton. Alors, ouais, t'es vraiment jolie hein, parce que t'as gardé ton sang-froid pendant. T'étais à 64 et t'étais à 2 kills de la mort. Bah, t'as quand même gardé ton sang-froid. T'as pas rushé comme un porc n'importe où, n'importe comment. On peut aussi dire que c'est une mob parfaite hein, du 24-0. Ah ouais, un perfect. Donc voilà, on va vous laisser sur cette. Ce joli score. Non, repartez pas mon score de 9-9. C'est parce que j'ai des soukines. Ouais, voilà. C'est une excuse. Une belle petite excuse, très valable. Bon allez, on va vous laisser sur cette vidéo et à la prochaine. À la prochaine pour d'autres vidéos. Salut tout le monde!